Nous sommes ici à la fontaine de Mirabeau, qui fut la fontaine du film Manon des Sources de Claude Berry. Le film fut en partie réalisé dans le village. Mirabeau, c'est un petit village du Luberon, dans le Vaucluse, situé entre Aix-en-Provence, Manosque et Pertuis. Et le château de ce village était la propriété des Riquetti, qui ont pris le nom justement de Mirabeau, et dont on connaît Gabriel, qui fut le célèbre révolutionnaire de 1789. C'est à partir de cet endroit que nous allons commencer la cueillette des plantes comestibles sauvages, parce que ce petit village de 1000 habitants est bordé de prairies, de bois, qui nous permettront de découvrir un très grand nombre de plantes sauvages comestibles et médicinales. Bonjour Evelyne. Bonjour Jacques. Voilà, nous venons filmer ton potager. Tu n'y vois pas d'inconvénient? Non, pas du tout, mais il est envahi d'herbes. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement la plupart des herbes qui envahissent son potager sont comestibles, sont médicinales, mais en plus c'est un mode de culture écologique. Car il faut le savoir que le fait de retourner sans cesse la terre, et ce qui va donner par contre des très beaux jardins bien alignés avec des mauvaises herbes éliminées, d'autant plus qu'on peut parfois y rajouter du Roundup, ce qui est catastrophique. Mais il est beaucoup plus intéressant d'avoir un potager de ce type, parce qu'Evelyne, en laissant certaines mauvaises herbes pousser, va rafraîchir finalement son jardin, ce qui est très intéressant notamment en Provence lorsqu'il fait très chaud et que le soleil frappe durement les plantes. Et j'ai tout de même une bonne récolte. Elle a une bonne récolte, et ce qui est très intéressant, parce que Evelyne Tasse a des chambres d'hôtes à Mirabeau, et je pense que ses clients se régalent. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'immense majorité des fruits et des légumes qui étaient cultivés autrefois ont été abandonnés. Alors, abandonnés parce qu'ils ne se prêtaient pas bien à la commercialisation de masse. Les gens ont cessé finalement de cultiver leur potager, ils n'achetaient plus les légumes aux fermiers ou à l'épicier du coin, et donc de nombreuses plantes ont disparu, telles que celle-ci, qui est une variété d'épinards sauvages qu'on appelle la roche. Ses feuilles sont rouges, par contre dès qu'elles sont cueillies, elles fanent, et il est donc impossible de les conserver et de les vendre dans les supermarchés. Alors ça présente un très grand intérêt parce que ça monte très haut, et lorsque vous cueillez les feuilles, en fait, elle repousse et on peut cultiver cet épinard sauvage, cette arroche, durant tout l'été. L'arroche est également très riche en vitamine C. On trouve encore à cette saison quelques coquelicots qui viendront agrémenter notre salade. Donc je les ramasse. On peut également en faire des sirops qui seront très bons pour la toux. Mais ici on n'en a pas en quantité suffisante pour le faire. Il faudra attendre le printemps prochain. La camomille est une plante vivace herbacée qui peut faire jusqu'à 50 cm de haut pour certaines variétés, et son utilisation en matière de beauté est aussi ancienne que son emploi en arboristerie. Alors, camomille, ça vient de deux mots grecs qui signifient entre autres qu'elle a une odeur de pomme et qu'elle a une fleur qui est très petite, en fait, petite fleur donc, dont le cœur est jaune avec des pétales blanches. Dégage effectivement une forte odeur de pomme. Alors,
La camomille est très intéressante en matière de médecine. Hein, on va voir les différentes recettes que l'on peut appliquer. À quelques mètres de notre pied de camomille se trouve la mauve. La mauve est généralisée ici en Provence sur les terres en friche, les lieux cultivés, les bords des chemins, en général à tous les endroits où la terre a été retournée. Il en existe plusieurs espèces, mais voici l'espèce la plus fréquente dans nos régions. La mauve présente un grand intérêt et déjà les Romains en fait en cultivaient et en utilisaient énormément dans leur cuisine, notamment cuits comme des légumes. En ce qui concerne les feuilles vertes. Voilà, les fleurs peuvent être cueillies, séchées et utilisées en tisane. Il faut savoir qu'elles contiennent des grandes quantités de mucilage, donc on peut les utiliser soit dans les salades, soit dans les potages. Elles contiennent une substance adoucissante qui calme les irritations, tant internes qu'externes. Voici le plantain. On en trouve partout, vraiment partout, dans les jardins, dans les prairies, à la lisière des forêts, au bord des chemins. Et il est impossible de se tromper parce que qu'il soit moyen, petit, grand, tous les plantains sont bons pour la consommation. Le plantain se caractérise par des fleurs hein, qui font 30 à 40 cm de haut, qui sortent au milieu d'un bouquet de feuilles. Hein, et ce sont des feuilles épaisses avec de grosses nervures, comme vous le voyez ici, hein, et qui partent de la base. Le plantain est une plante qui est également très intéressante au niveau médicinal et au niveau culinaire. On peut le consommer cru, cuit, de multiples façons, et on va voir qu'il a des apports très intéressants pour la santé. Alors, sur les sols riches en azote, pousse l'ortie. Alors, l'ortie peut être considérée comme la plante reine car elle a des vertus médicinales, gustatives, mais c'est aussi un très bon engrais et un très bon insecticide et pesticide utilisé pour les jardins. Alors l'insecticide, le pesticide se réalise très facilement, il suffit de faire fermenter des feuilles d'ortie dans de l'eau pendant une semaine pour un insecticide, un pesticide, pendant deux semaines pour un engrais. L'ortie, et là c'est beaucoup plus méconnu, est aussi une plante que l'on utilise massivement, que l'on peut utiliser massivement dans les cuisines parce que elle synthétise à elle seule quasiment tous les bienfaits que peuvent contenir les plantes. Que dire de plus de l'ortie? Il y a tellement de choses à dire sur cette plante que je vais vous énumérer l'ensemble de ses qualités, mais simplement il faut faire attention lorsqu'on les cueille. Alors moi j'ai dû m'accoutumer à la cueillette de l'ortie parce qu'il ne me pique plus. Alors ne me demandez pas pourquoi, j'arrive à le ramasser à la main, comme cela. Et on peut en faire des cueillettes pour le consommer, je dirais, immédiatement, mais aussi pour le faire sécher et le garder pour l'hiver. Ce sera une réserve de protéines, de minéraux inépuisables. Notre ami assistant Philippe s'est piqué le bras avec de l'ortie. Et l'intérêt, c'est qu'on trouve généralement du plantain à proximité des orties. Et il suffit à ce moment-là de frictionner la feuille de plantain sur la partie touchée. Et la piqûre se calmera d'elle-même. Alors, juste à côté de l'ortie, une plante qui affectionne particulièrement les lieux humides, c'est la Kélidoine. La Kélidoine est intéressante lorsque l'on a des verrues, pour soigner les verrues, parce qu'il suffit simplement d'appliquer le suc jaune qui se trouve à la base de la tige sur la verrue, comme ça, de cette façon, pour en fait supprimer la verrue. Alors, la Kélidoine est une plante qui pousse au printemps, on en a encore un petit peu au début de l'été, et on peut l'utiliser fréquemment pour son suc. La capucine est l'une des feuilles et fleurs les plus intéressantes à utiliser parce qu'elle a un goût très prononcé. C'est certainement la fleur de la capucine qui a le goût le plus prononcé. Alors,
Elle est appelée Belle du Pérou parce qu'elle est originaire d'Amérique du Sud. Elle est arrivée dès le XVIIe siècle en Espagne. Et la capucine est très intéressante d'un point de vue médicinal parce qu'elle est stimulante, apéritive et digestive. Elle contient énormément de vitamine C. Alors, certains pensent qu'elle a des propriétés aphrodisiaques et on l'appellera fleur de l'amour. Donc, la capucine pousse au soleil ou sur des terrains légèrement à l'ombre et sur tout type de terre. Voilà, donc en cuisine, nous pouvons utiliser ces boutons fleuraux en condiment, confit au vinaigre, et les fleurs, comme les feuilles, décoreront et relèveront les salades ainsi que les potages. La chicorée est une plante commune à toute l'Europe. On la connaît depuis la plus haute antiquité car les textes égyptiens nous parlent de son utilisation. Dans l'Antiquité, Galien en a également évoqué, je dirais, les très grandes qualités médicinales comme étant l'ami du foie. Et cette chicorée présente aussi la particularité de suivre le soleil, c'est-à-dire que les fleurs suivent la direction du soleil. Alors elle s'ouvre tôt le matin, mais elle se referme environ vers midi. Voilà. Donc ces fleurs sont comestibles, elles peuvent être consommées en salade, mais on consomme surtout la chicorée en feuilles, hein, comme celle-ci. Alors ces feuilles de chicorée, elles peuvent avoir des formes variables. Il y a plusieurs variétés de chicorée qui sont aujourd'hui cultivées, mais la chicorée sauvage présente un très grand intérêt, je l'ai dit, pour le foie. Hein. C'est vraiment l'ami du foie et c'est certainement la plante étant amère qui va être la meilleure pour le foie. Donc dégustez-la en salade, n'hésitez pas pour ceux qui ont des problèmes de foie ou de vésicule parce que c'est vraiment une plante essentielle pour cela. Alors, que dire de plus sur la chicorée, c'est qu'on la trouve comme ici dans les champs abandonnés, sur les terrains vagues, au bord des chemins ou au bord des routes. Alors ici je cueille des feuilles qui ont déjà été cueillies à plusieurs reprises et c'est pour ça que cette chicorée n'est pas montée en graines, qu'elle n'a pas formé de longues tiges avec des fleurs. Et l'avantage c'est que, comme la plupart des plantes qu'on a vues, quand on la cueille, elle repousse. Et il vaut mieux la cueillir, même à la limite si on ne la consomme pas, le fait de la cueillir fera qu'on pourra bénéficier en fait de feuilles tendres durant toute la saison. Et durant en Provence une grande partie de l'année. Autre endroit secret et magique, comme il en existe des milliers en Provence, cette petite prairie encerclée de chênes, de noyers et de peupliers, non loin d'un torrent, sur laquelle pousse le chénopode blanc, cet épinard sauvage que l'on trouve en très grande quantité partout en Europe et qui a été remplacé par les épinards et par les bêtes, peut-être plus savoureuses, mais certainement moins intéressante d'un point de vue médicinal. Alors ce chénopode, il peut être consommé cru dans les salades ou encore cuit. Et je vous conseille de simplement cueillir ces rameaux, de les faire cuire dans un cuit-vapeur. C'est un véritable délice. Et franchement, je trouve que ça vaut les épinards. Il rase rapidement à l'eau. Et franchement, c'est excellent. Perdu au milieu de ces orties qui apprécient la fraîcheur de cette petite rivière qui coule et qui nous permet d'arroser nos jardins, le liseron. Alors, le liseron, c'est le cauchemar des jardiniers parce que ça s'insinue partout, ça entoure les plantes potagères et on a énormément de mal à s'en débarrasser. Le liseron peut pourtant être considéré comme une plante médicinale à part entière parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était idéale pour rétablir un transit intestinal régulier lorsque la constipation était due à une sécrétion de bile insuffisante. À ce moment-là, faites-la sécher et faites-en une cure chaque matin, un quart d'heure avant le petit déjeuner. Vous buvez une infusion de ces feuilles hein, que vous faites macérer
un quart d'heure ou 5 minutes même dans de l'eau bouillante et vous buvez ça à jeun avant le petit déjeuner. Alors en cas d'abcès ou de furoncle, vous pouvez écraser une dizaine de feuilles entre les doigts hein, et les appliquer en cataplasme sur l'endroit concerné. Hein, vous mettez ensuite une compresse et vous laissez appliquer pendant une journée et je pense qu'il y aura de gros progrès pour vos petits problèmes de santé liés à ces abcès. Ici, encore une fleur très intéressante qui pousse à l'époque de la Saint-Jean, du solstice d'été. C'est le millepertuis, qui était l'une des fleurs les plus utilisées en médecine populaire et qui intéresse aujourd'hui énormément les laboratoires pharmaceutiques parce que le millepertuis a des propriétés antidépressives et calmantes. Une des meilleures salades que l'on peut cueillir l'été, c'est le pourpier. Le pourpier, on le voit, il pousse en général au pied des tomates, poivrons, aubergines, courgettes, dans les endroits où la terre a été retournée. Donc ici, l'endroit en est riche. Le jardinier en a arraché une grande partie parce qu'il ignorait que c'était une plante comestible délicieuse. Mais il m'a promis que dorénavant, il essaierait d'en manger avec ces très belles laitues que l'on voit ici derrière. Voilà, donc l'intérêt du pourpier, c'est sa richesse en oméga 3. Ça, c'en est l'une des sources principales en ce qui concerne les plantes. Et lorsque l'on connaît finalement la façon dont sont élevés les saumons d'élevage, je pense que ça peut être une bonne alternative très écologique au saumon ou à d'autres poissons d'élevage. Après le plantain majeur aux feuilles très larges, il existe une autre variété de plantain aux feuilles plus allongées, hein, celui-ci, que l'on trouve dans les prairies très sèches, de Provence notamment. Et on en trouve vraiment à certains endroits en très très grande quantité. Donc on peut le cueillir avant que ne se forment justement les fleurs. Hein, il faut en profiter pour en faire des salades. Sinon, ensuite, on peut faire sécher les feuilles et les consommer en tisane. Nous avons dû nous rendre à Pérols, dans un village voisin de Mirabeau, pour trouver cette plante, la prêle. Alors la prêle est une plante herbacée de 20 à 50 cm de hauteur, sans fleurs, hein, qui pousse en fait au bord des chemins. Et ici, on en a trouvé une grande quantité. Alors la prêle était une des plantes les plus utilisées au XVIe siècle en médecine, hein, parce qu'elle a des très grandes qualités reminéralisante. On va voir toutes les utilisations qu'on peut en faire et n'hésitez pas à l'utiliser, hein, surtout pour les problèmes osseux parce qu'elle est très très riche en silice. On trouve aussi dans ce jardin qui pousse presque à l'état sauvage en fait, parce que bon, il faut d'abord que l'homme y plante quelques graines avant que la plante ne s'étende, je dirais massivement, la mélisse. La mélisse, c'est une plante très intéressante
On la reconnaît parce que lorsqu'on froisse sa feuille, elle dégage une odeur citronnée assez intense. La mélisse est connue depuis la plus haute antiquité. Les Grecs l'ont surnommée Mélissa, qui signifie abeille, et les Arabes l'ont massivement utilisée dans leur médecine. En France, la mélisse est connue parce que les religieux du Carme en ont fait un alcoolat, hein, l'eau de mélisse des Carmes. On trouve la mélisse le long des haies, dans les terrains herbeux ou ombragés. On la reconnaît parce qu'elles ont des tiges dressées, hein, qui peuvent aller jusqu'à 60-80 cm de haut. La feuille, elle est foncée sur sa partie supérieure et plus claire sur sa partie intérieure. Voilà, elles ont une forme ovale, avec, elles sont également dentées. Voilà, donc facile à reconnaître la mélisse, et on en fait également une délicieuse tisane qui a de nombreuses vertus médicinales. J'ai planté 2 pieds de stevia il y a un mois et demi, et on commence à connaître l'intérêt de ce qu'on appelle l'or vert. Alors cet or vert a un pouvoir sucrant qui est, je pense, 15 fois supérieur à celui du sucre en général, du sucre blanc notamment, et lorsqu'on sait les dégâts qu'occasionne le sucre sur nos organismes, avec notamment le diabète, je pense que cette plante a un grand avenir. Elle vient du Paraguay. A priori, elle s'acclimate à un climat méditerranéen. Les agronomes sont en train de travailler sur justement l'acclimatation de cette plante. Et je conseille à tous ceux qui peuvent récupérer des graines d'en planter dans leur jardin, parce que là, ce serait peut-être un grand pas en termes de santé publique. Alors, ce sont ces feuilles, on les fait sécher, on en fait une poudre que l'on peut mettre dans les pâtisseries, dans le thé, dans tout ce qu'on veut. Et je pense que là, ça va être une des plantes de l'avenir. Hein, jusqu'ici, elle était interdite. On connaît effectivement la puissance des lobbies de l'agroalimentaire en France, mais a priori, les choses s'améliorent. Et on pourra, à mon avis, trouver de la stevia dans de nombreux aliments. Et même Coca-Cola, qui n'est pas une référence en matière de santé dans l'alimentation, s'y met. Donc, à suivre la stevia et essayez de trouver des graines et d'en planter partout où vous pourrez. Le pissenlit, que l'on trouve encore ici cet été parce qu'il a été cueilli régulièrement, et à ce moment-là, il repousse et forme à nouveau des feuilles tendres, compte parmi les plantes que l'on mange en salade. Alors, il abonde dans toute l'Europe et on en compte environ 1000 sous-espèces ou variétés. Alors, domestiqué, on sélectionne une plante aux racines plus longues, hein, aux feuilles plus fines et plus frisées. Alors, l'intérêt du pissenlit est grand, hein, parce que c'est bien entendu l'ami du foie et de la vésicule. Et à l'heure actuelle, où les problèmes digestifs se multiplient dans nos sociétés, où l'alimentation est de plus en plus frelatée, ça devient très bénéfique. Les feuilles de pissenlit contiennent de la vitamine C, 50 g par 100 g de feuilles, des vitamines du groupe B, de la provitamine A, 2 mg par 100 g, soit l'équivalent de la quantité contenue dans les carottes. Elles contiennent également de la choline, des saponines, des glucosides, des substances minérales, du potassium, du sodium, de l'aluminium, du manganèse, du cuivre, du fer, du calcium, du soufre et du phosphore. Dans la racine, on trouve surtout une substance amère, la taraxacine, des tanins, des résines, de l'inuline, de sorte que les racines du pissenlit conviennent tout particulièrement aux diabétiques. C'est une plante médicinale et diététique. Les feuilles stimulent le processus du métabolisme, font baisser la pression artérielle et améliorent le fonctionnement de l'appareil urinaire et de la vésicule biliaire. On recommande les pissenlits pour le traitement de la goutte et des rhumatismes. Les fleurs, quant à elles, débarrassent les voies respiratoires des mucosités. On peut manger les racines du pissenlit bouillies comme légumes. On peut préparer également des sirops et des vins avec les fleurs. Et dernière petite astuce, on peut faire avec le jus des feuilles fraîches des cataplasmes sur la peau pour traiter les verrues, l'eczéma, les dartres, l'acné ou les furoncles.
Nous en arrivons à la dernière étape de la cueillette, la préparation de la salade, qui est le moment le plus agréable et qui peut se réaliser finalement assez rapidement car on va y ajouter plante par plante. Je commence par le pourpier, les petites feuilles de pourpier. J'y adjoins ensuite les feuilles de pissenlit. Alors, la chicorée. Ici, la chicorée. Les feuilles de chicorée, très bonnes pour le foie. La chicorée. Quelques feuilles de laitue du jardin. Du jardin qui sont en général moins riches en minéraux, en vitamines, mais beaucoup plus douces. Donc c'est intéressant de mélanger la douceur et l'amertume. Quelques feuilles de liseron. N'en mettez pas trop parce qu'elles ont un très fort effet laxatif. Un ortie a été lavé, donc il ne pique plus. Et une fois assaisonné, il ne piquera plus du tout. Alors, l'intérêt de consommer l'ortie crue, c'est qu'il conserve toute sa vitamine C. C'est une plante très riche en vitamine C. Mais on sait que la vitamine C est détruite par la lumière et par la température, une température supérieure à 60 degrés. Quelques brins de coriandre. Quelques brins d'armoise. Ne pas en mettre de trop parce que le goût est assez fort. Le plantain à feuilles larges. Ainsi que les fleurs que nous avons cueillies tout à l'heure. Fleurs de coquelicot, de mauve et de capucine. Qui vont donner une couleur très attrayante à cette salade. C'en est terminé, on rajoute la vinaigrette, huile d'olive citron et la levure de bière maltée qui donne aussi un goût délicieux à cette salade. Et voilà, le plat est prêt. J'ai cuit en même temps les branches de chénopodes au cuit-vapeur, ce qui leur donne vraiment un côté très moelleux que l'on mélangera à la salade et à l'accompagnement, pommes de terre, quinoa, céréales de toutes sortes ou lentilles. Voilà, donc on peut avoir des repas très bons qui sont en même temps très peu coûteux et très riches en vitamines, en oligo-éléments. Voilà, donc le repas est ainsi préparé, il ne nous reste plus qu'à le déguster. J'ai ramassé une quantité appréciable d'orties cueillies au jardin et je les ai fait cuire dans un cuit-vapeur. Parce que bon, le cuit-vapeur en général a une cuisson qui est plus intéressante par exemple que la cocotte minute ou que la casserole qu'on porte à ébullition. Il permet de mieux préserver les vitamines des légumes. Et donc on a fait cuire pendant quelques minutes ces orties dans le cuit-vapeur et j'ai préparé une pâte très très simple. J'ai mélangé simplement de la farine avec de l'eau, un peu d'huile, un peu de sel et ça me servira en fait pour faire servir de support à ces orties. Donc je vais étaler la pâte et on va la mettre dans un plat. Alors en attendant, je vais remplir une casserole d'eau, comme ça on ne perd pas de temps, avec qu'on va porter à ébullition. Ingrid, tu vas m'apporter la casserole, s'il te plaît. On va faire une tisane de mélisse. Ouais, merci. Une tisane de mélisse. Alors, on fait bouillir l'eau. Et Minred qui a bientôt fini d'éplucher les orties.
va nous les placer sur la pâte. Maintenant, mes vaisselles. Alors, effectivement, il faut saler, mais on peut utiliser le gomasio. C'est un produit très intéressant parce qu'en fait, c'est du sésame. Hein, ce sont des graines de sésame avec des algues aussi et un tout petit peu de sel. Et donc, ça permet de limiter la consommation de sel. Donc voilà, tu peux saupoudrer la tarte de gomasio. Vas-y, mets-en un peu plus parce que c'est très bon. Le gomasio. Après, on va... Pour lui donner une onctuosité, mettre de la sauce de soja. Alors pareil, parce qu'actuellement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques aux produits laitiers. Et donc le soja permet de remplacer aussi de la sauce béchamel. Vas-y, pétale la sauce soja. On va mettre un peu de poivre aussi. C'est bon. Alors on peut rajouter un peu de cumin. Vas-y, vas-y, n'aie pas peur. Très bien. On va poivrer un petit peu. Vas-y. Alors une astuce avec l'ortie, parce que lorsque vous vous promenez, vous n'êtes pas obligé en fait de consommer l'ortie fraîche. Hein, vous pouvez la faire sécher. Et l'avantage, quand vous aurez ces feuilles, c'est que vous pouvez soit en faire des tisanes, soit la saupoudrer sur vos plats. Hein, vous saupoudrez comme ça, par exemple, vos plats de pâtes, vos plats de riz, de toutes sortes de céréales. Et vous bénéficierez des très nombreux minéraux contenus dans l'ortie. Voilà, donc je pense que la tarte est prête. On peut aussi rajouter une couche de gruyère râpée, hein, ça lui donnera encore plus de goût. Mais elle est prête pour aller au four. Et maintenant, donc je te laisse porter cette tarte au four. Et tu dis à ta grande sœur de m'apporter l'eau bouillante pour faire la tisane de mélisse. Alors la mélisse est une plante très intéressante parce qu'elle est prescrite pour son action antispasmodique. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est troubles gastriques qui ont une origine nerveuse, ce qui est assez fréquent dans une société qui génère autant de stress. Alors on peut l'utiliser en cas de digestion lente, de ballonnement, d'éructation, de flatulence. Et on l'utilise aussi pour les troubles mineurs du sommeil parce qu'effectivement c'est une plante qui calme, qui en même temps nous aide à digérer et nous calme, donc c'est une tisane assez intéressante à prendre le soir. On ne lui connaît pas de toxicité, mais on a découvert récemment qu'elle pouvait freiner l'activité des glandes sexuelles. Alors messieurs, n'abusez pas de la mélisse, n'en faites pas des cures prolongées de plusieurs mois. Ah, je vais faire goûter la tisane à Carmen et Héloïse. Allez, tenez, goûtez la tisane de mélisse. Bon, elle n'est pas sucrée. Alors les enfants souvent aiment les tisanes sucrées. Donc si vous avez un peu de stevia en poudre, allez-y. Mais j'ai pas encore fait sécher la stevia du jardin. Ouais. Il y a aussi un petit intérêt à utiliser la mélisse pour en faire des cataplasmes sur des piqûres d'insectes. Ou à utiliser pour les dames, mais aussi pour les messieurs, lorsqu'on a des rides, lorsqu'on a la peau sèche, on peut faire en fait une lotion avec de la tisane de mélisse, une lotion qu'on appliquera sur le visage. Voilà, donc là encore, des utilisations diverses pour la mélisse, mais c'est le cas de nombreuses autres plantes qu'on verra. Parfait. Moi, j'en ai trouvé deux pieds à botanique, je les ai plantés, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Je vais goûter, je vais la faire sécher. Bah, Carmen, je vais la goûter.
pour terminer cette découverte des plantes sauvages, je parlerai d'un débat qui évoquait récemment l'intérêt d'une alimentation vivante. Alors, une alimentation vivante, c'est tout simplement la consommation de légumes ou de fruits crus. Alors, ces légumes et ces fruits crus seraient, selon certains spécialistes, le seul moyen d'assurer à l'organisme finalement toute la vitalité à travers finalement des aliments qui ont gardé leurs nutriments, leurs vitamines et leur énergie. Alors, les partisans de cette alimentation s'appuient sur des études médicales et anthropologiques assez récentes. Ils reprennent le mode de vie des Esséniens qui vivaient au Moyen-Orient il y a 2000 ans. Et on le voit, leur théorie est de plus en plus à la mode. Cette alimentation vivante n'est pas un concept nouveau dans l'histoire parce que les hommes préhistoriques ont consommé massivement ces plantes. Il faut savoir que pendant des centaines de milliers d'années, les plantes sauvages constituaient la majorité, la grande majorité de l'alimentation des hommes. L'agriculture est apparue il y a environ 10 000 ans et on voit qu'en Europe notamment, on consommait environ 1200 plantes. C'est vous dire l'immense variété de ces plantes par rapport à la cinquantaine de fruits et légumes qui sont aujourd'hui commercialisés en France. Alors, effectivement, on a toujours l'image de l'homme préhistorique carnassier, chasseur de mammouths, mais en fait, c'était avant tout un cueilleur. Et il faut dire aussi qu'à la fin du Moyen-Âge, la nourriture, la conception de la nourriture change, parce que les nobles, les bourgeois, vont manger essentiellement de la viande, du pain blanc, des sucres, et vont mépriser l'alimentation des gens de la campagne, des rustres, qui vient du latin russe, qui signifie campagne. Et ces rustres, ils mangeaient des céréales complètes, des légumineuses, des plantes sauvages. Voilà. Et petit à petit, avec l'urbanisation, on va abandonner ce type de nourriture et en même temps ce type de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, même dans nos villages, rares sont les personnes qui ont gardé cette pratique des cueillettes sauvages.